au quota, au surola. Nous devons parler parce que le temps, la situation est tellement grave pour le Congo. Je suis tellement déçu. Je suis consterné par rapport à ce qui se passe. Essayer de beaucoup d'apôtres sur là parce que il est tard, il est 23h10. J'avais pas mal de choses à faire, mais je suis désolé de vous déranger à cette heure-ci. Déjà, je m'excuse parce qu'il est tard, mais bon, comme c'est le confinement, donc je pense que les gens ont plus de temps pour pouvoir écouter ce qu'ils nous pourront dire. Je suis très triste ce soir parce que le Covid-19 est en train de tuer les gens. Nos frères, nos sœurs sont en train de perdre la vie parce que il y a la pandémie. Et en même temps, au Congo, on est en train d'assassiner les gens. Et je suis vraiment triste parce que c'est cette situation. Ça se passe dans ma région du Bas-Congo, qu'on appelle communément Congo central. Franchement parlant, nous avons des infos qui viennent de partout. Même au sein de la police, il y a plusieurs policiers que je félicite qui ne sont pas d'accord au niveau des méthodes qu'on a utilisées pour assassiner les Congolais. Et cette situation, c'est mes compatriotes congolais qui sont assassinés. Je suis vraiment déçu et en colère. Je pense que vous ne devez pas continuer à détruire ce pays. Nous n'allons pas vous laisser détruire ces pays. Ces pays nous appartiennent à nous, les Congolais et les vrais, pas les traîtres, pas ceux qui veulent les pouvoirs pour les pouvoirs, mais ceux qui veulent les pouvoirs pour en faire quelque chose. Si j'ai les pouvoirs, qu'est-ce que je peux faire pour que ces pouvoirs puissent avoir de l'importance? Je suis tellement en colère et déçu de ces gens qui sont venus au Congo en 97. Avec les bottes des jardiniers qui se sont fait devenir des présidents. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont arrivés pour les lécher les bottes. Un Congolais qui lèche les bottes de l'occupation. Alors, la vérité, c'est que je viens d'entrer en contact avec des policiers à qui je parle, des hauts placés de la police, qui m'ont expliqué la vérité, qu'ils n'étaient pas d'accord de ce qui s'est passé concernant mon ancien. Mon ancien, c'est un Congolais. Il est ce qu'il est. Je ne suis pas d'accord, parfaitement d'accord à ce qu'il dit, à ses propos des tribalistes. Là, je vous l'accorde. Mais par contre, c'est que je m'énerve et je suis en colère que vous n'avez aucun droit. D'après les chartes des Nations Unies, tout citoyen a le plein droit de vivre sa vie partout où il est, avec toute liberté des droits de l'homme. Mais vous, vraiment, avec quel droit vous devez vous permettre de prendre l'arsenal militaire pour aller assassiner les gens? On a ses milliers, ce qu'il est, il a ses défauts que moi j'adhère pas. Il a son langage de dire que ceux qui ne sont pas du Congo ou du Congo central doivent quitter le Congo central. Ça, je l'accorde, je suis pas d'accord avec lui, mais par contre, je me rejoins parce qu'il est congolais. Et que le langage de mon ancien, c'est le langage que nous utilisons dans la diaspora, que tous les combattants utilisent. Et donc, je pense que maintenant, nous devons tout simplement comprendre que le temps est grave. Que nous ne pourrons plus continuer à laisser ces gens faire ce qu'ils sont venus faire, mes frères. J'appelle tous les Congolais de se réveiller parce que la situation est grave. D'après les infos que j'ai, des sources sûres, Plus de vingtaines des adeptes de Bunduda Congo qui ont été assassinés aujourd'hui à Kinshasa. Et ils ont humilié Mondasemi. Et moi, je pense que Mondasemi, il dit des choses, il demande son dû, il demande ses droits. Comment vous, qui êtes au pouvoir soi-disant, vous pouvez en tout cas faire ce que vous êtes en train de faire, c'est quand même très grave. On ne peut pas assassiner des gens dans un pays des droits, soi-disant, que vous nous disiez qu'il y a l'état des droits. On ne peut pas continuer à tuer les gens.
On ne peut pas continuer à assassiner gratuitement des gens au moment où nous sommes déjà en train de vivre le COVID-19, où il y a dans le monde les gens meurent, où les gens sont traumatisés et vous allez continuer à sortir votre arsenal pour assassiner les gens? Non, nous n'allons pas vous laisser cette fois-ci. Le Congo doit être dirigé par soi-disant une constitution. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que le Congo est dirigé par un deal. Mais ceux qui ont fait leur deal, ils n'ont qu'à payer par rapport à ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait entre les voyous qui dirigent notre pays. Et je ne mettrai plus l'eau dans ma bouche. Et je m'opposerai à vous. Je m'opposerai à vous jusqu'à ce que vous allez déguerpir de ces Congos-là. Nous sommes les descendants de Kimbangu. Je suis le descendant de Kassavubu. Je suis le descendant de Kimbangu. Je suis le descendant de Nemwanda. Je suis le descendant de tous ces morts qui sont morts au Congo pour la liberté de ces pays. Et je pense que nous n'allons plus vous laisser faire. Là, trop, c'est trop. Deux personnes, soi-disant les hautes personnalités, comme disait Kamere, qui est en prison, les deux hautes responsabilités, je m'adresse à vous, Kabila et à Félix. Vous allez amener ces pays jusqu'où? Franchement, vous allez amener ces pays jusqu'où? Et nous n'allons pas vous laisser faire. Nous n'avons même pas peur de vous. Personnellement, je n'ai pas peur de vous. Aujourd'hui, je me rends compte que Félix, tu fais partie des kabylistes. Donc, dans ma tête, c'est fini. Tu as détruit le pays, tu as laissé tout ça pour ça. Et je demande carrément la démission où vous devez tout simplement, Kassongo, le général Kassongo doit partir, il doit démissionner ou il doit être mis à côté. Parce qu'on ne peut pas aller tuer un peuple qui n'a rien fait. On ne peut pas aller massacrer un peuple, vous qui avez peur. J'appelle les Bakongo de se réveiller, les Congolais qui aiment le Congo de se réveiller et de barrer la route à ces gens. Moi, je ne suis pas là pour parler. Je suis prêt à tout. Et je demande vraiment aujourd'hui à tous les Congolais de commencer à penser, d'arrêter déjà de parler de bla 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 bla. Mais de commencer à réfléchir et à dire comment nous allons mettre de côté l'argent, des sous, pour savoir qu'est-ce que nous allons faire avec ces sous, pour débouter, pour déguerpir ces gens de notre pays. Nous n'allons pas continuer comme ça avec ces gens. Félix, tu nous as trahis, tu es qu'un traître. Et je pense que moi, François Mboukou, après le confinement, je vais me battre de ma façon. C'est fini. Je n'ai plus confiance. Je n'en aurai plus jamais. J'ai qu'une parole. J'en ai pas deux. Vous n'allez pas tuer au Congo. Vous n'allez pas tuer dans les Bas-Congo. Vous avez déjà massacré les gens. Ils ont massacré à Kamwina-Sapu et vous faites rien. Et vous avez dit que vous avez le pouvoir. Quand le général Kassongo, qui est le général provincial, d'après les sources que nous avons, plus de 20 Congo, plus de vingtaine de Congolais qu'on a assassinés. Attends, vous avez peur de quoi? Qu'on vous prenne votre pouvoir mal élu, votre pouvoir donné, votre pouvoir attribué, donné à quelqu'un qui est venu chez nous, avec les bottes de jardiniers, qu'on a appelé Hippolyte Kanambe? Ou qui tira pantalon à eux dans Moutandengwana? Bonico? Tala, Ngako, na bang rabinoté. Je vous dis sincèrement, mais là, vous allez trop loin pour assassiner les Congolais gratuitement comme ça. C'est quoi cette république de merde? Vous savez que ça va tout sonner. Au Congo où il y a beaucoup de gens importants, des gens intelligents, vous allez continuer à jouer avec les gens jusqu'où? Ça suffit. Congolais, levez-vous, prenons tout ce que nous pouvons prendre pour bouter ces gens dehors. Félix. Pour moi, tu étais un ami, mais tu ne l'es plus. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu ne me verras jamais au Congo tant que tu seras au pouvoir. Je me battrai tant qu'un homme debout. Et moi, je vous dis, la guerre est ouverte maintenant. Je ferai tout mon mieux, mais ce que je peux, à mon pouvoir, pour vous bouter dehors. Que Dieu entende ma parole d'aujourd'hui, de ce soir. Que tous les Congolais entendent ce que nous sommes en train de dire maintenant.
Nous allons vous donner les jours qui arrivent, le numéro de compte où vous allez mettre de l'argent. Et nous allons bouter ces gens dehors. Ça suffit. Trop, c'est trop. Le Congo en a tellement souffert que nous n'allons plus continuer avec vous. Félix, tu n'es qu'un traître. Tes frères de Balouba, ils savent bien que tu es un traître. Ils le savent aujourd'hui. Ils sont au courant. Et il y a beaucoup de Balouba que nous avons parlé ensemble, nos frères, nos vrais Balouba, nos vrais frères que nous aimons. Plus que yo. Tu m'as déçu. Et je suis en colère. Le Nekongo, ce n'est pas un peuple que tu vas toucher, que tu vas permettre Kasongo. Si tu avais le pouvoir, tu dois déloger Kasongo maintenant. Vous allez tuer le Congolais jusqu'où? Vous allez continuer jusqu'où? Moi, je n'ai pas peur de vous, hein? Rien du tout. Na banga abino kutute, na kagla abino te. Et je n'ai pas peur de vous. Et je vous dis, je vous ferai la guerre, moi, François Mboko. Je vous ferai la guerre. Vous n'allez pas continuer à jouer avec un peuple. Beaucoup de policiers nous ont informés qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette opération des mandats semi. Ils n'étaient pas d'accord. Ils ont dit, soi-disant les confinements, qu'il faudrait qu'il y ait au moins 10 personnes auprès de leur maître. Certes, je ne suis pas d'accord avec les propos de mon ancienne, mais oui, je ne suis pas d'accord. Les propos tribales, je ne suis pas d'accord. Parce que je plaide pour un Congo uni. Les Congos de Kasavubu, les Congos de Lumumba, les Congos de Kimba, les Congos de Kipavita, les Congos de Kimbangu, les grands prophètes, qui avaient dit que ceux qui vont délivrer les Congos viendront de l'extérieur et c'est nous. Nous ne sommes pas des traîtres. Ici en Europe, nous vivons avec nos petits moyens. Et nous vivons. Nous faisons ce que nous pourrons à notre niveau. Nos enfants sont en train de faire de grandes études dans ces pays. Dans partout, nous sommes dans la diaspora. Félix, tu nous as déçus. Tu fais l'ombre de Kabila. Mais nous allons te dégager pour que nous puissions maintenant être corps à corps avec Kabila. Parce que les problèmes au Congo, c'est Kabila, ton partenaire. En tout cas, tu m'as déçu. C'est fini dans ma tête. Que tu sois président pendant 50 ans, je ne viendrai jamais au Congo tant que tu seras là. Et je te combattrai. Si tu vas donner le pouvoir à Kabila pour qu'il revienne, je te combattrai. Je combattrai Kabila. De toutes mes forces pour libérer mon peuple. Trop, c'est trop. Vous allez trop loin. Vous avez fait tellement de choses graves, des crimes contre l'humanité, des choses graves. On a tué tes frères, des Kamouna Sapou. Et tu vas aller faire l'alliance avec cette personne. Ozangini nzalam te salio, okoki ko sala kaya potote, okoki ko baisser kilote na pa mutandeng wana. Et aujourd'hui, tu n'arrives même pas à faire des choses. On a tué les Bakongo. Tu vas toucher les Bakongo. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. J'appelle tous les Congolais. Vous avez suivi Madame Justine Poyo Kasavubu dernièrement chez Gino. Il vous a expliqué des choses dans l'émission Éveil Patriotique. J'appelle tous les amis, tous ceux qui aiment le Congo, les vrais Congolais qui aiment le Congo, de se lever maintenant, de prendre le devant, d'aller de l'avant, de contribuer ne fût-ce que 1 dollar, pas plus, à partir de 1 dollar jusqu'à 5. Nous vous donnerons le compte, vous allez mettre de l'argent. Nous allons nous battre comme des hommes, pas comme des gens qui parlent blablabla bla bla pour rien. Nous allons nous battre comme des hommes. Je n'ai pas peur de, ni de toi, Félix, ni de toi, Kabila, ni de tout qui que ce soit, ni de tout ce qui est l'occupation rwandaise. Et ce que vous avez fait de notre pays et de notre peuple. Encore des morts. Au moment où coronavirus, le monde est tourmenté. Partout dans le monde où les gens pleurent. Leurs familles qui sont morts. Et vous, vous allez prendre les armes lourdes pour détruire tout un peuple. Pour assassiner les gens en plein Kinshasa. Parce que les Monassim a réclamé son dû. Vous avez valorisé les COP. Vous avez dit que les retours commission c'est des COP. Tala, Nabina Binoko. Je n'ai pas peur de vous. Moi, François Mboko, rien du tout. Et je pense que là,
Vous êtes parti loin et vous avez touché ce qu'il ne faut pas toucher. Vous avez touché notre peuple, les Nékongo. J'appelle tous les Nékongo dans le monde de se lever maintenant, de leur montrer que nous sommes les Congolais. C'est nous les cas. C'est pas eux, c'est nous les cas. Et nous allons montrer que c'est leur terre. Cette terre-là, c'est à nous. C'est pas eux. Comme nous avons dit Kabila. Kabila va vider au Batunayo. Il va te finir. Et nous allons négocier avec Kabila contre toi. Via Bamindele. Parce que trop, c'est trop. J'en ai marre. Moi, je te dis sincèrement, je te parle avec la méchanceté dans mon cœur. Ceux qui m'appellent, ne m'appelez plus, s'il vous plaît. Je dois régler mes comptes. Et j'ai peur des personnes comme vous êtes là. Vous tous. Faites comme vous voulez. Faites ce que vous pouvez faire. Mais je vous dis sincèrement, là, trop, c'est trop. Vous n'allez pas assassiner les Bakongo. Vous n'allez pas chercher à donner le quitus aux Rwandais pour qu'ils viennent détruire le Congo, pour qu'ils viennent diviser le Congo, pour qu'ils viennent séparer la population congolaise. Quand même, vous pouvez inciter Mobutu. Mais Mobutu nous a laissé l'unification du pays. Vous n'allez pas nous dire que oui, Tozo Lukande ni to Kankabila ni to Bomaye. Non, vous mentez. Vous êtes en train de vous enrichir illégalement en détournant tout un destin d'un peuple, en faisant les deals. Le pays n'est plus dirigé par la constitution taillée à la taille de l'occupation et de la Kabylie. Mais le pays est dirigé par un deal. J'appelle ici tous les Congolais qui peuvent faire quelque chose pour leur propre pays, les nationalistes, les vrais. Si nous aimons ces pays-là, nous allons vous donner des directives à suivre maintenant. Nous n'allons plus parler pour rien. Nous appelons les médias qui peuvent encore porter en plus pour les Congolais de faire quelque chose. S'il y a des médias qui vont continuer à faire l'allégeance de ces pouvoirs volés, de ces pouvoirs illégaux au Congo, nous allons nous trouver. Bon loba, bon loba, bon fin année, bon fin mais bisoko, tu sais, belé à on a diaspora. Donc combattre bino, toko kanga ba mede na bino biso, toko kanga sa ba mede na bino, toko kanga sa ba mede na bino. On en a marre de vous, ça suffit maintenant. Nous vous disons que maintenant, face à face, guerre et bandi na bino. Nous appelons tous les Congolais sous les drapeaux. Nous appelons tous les Congolais à l'obéissance à la patrie. La patrie d'abord. Nous ne sommes plus, il y a tant de routes, c'est Camille Kabola. Félix, osons empêcher Bissot de bouger sa Kabila. Première personne, tu reçois dans le Congolais, va éliminer Zayo. Pour oser empêcher Mboka Kinelboso, tu as trahi le pays, mon frère. Nganayo, c'est fini. Je ne peux plus avoir confiance en toi. C'est fini. Ose à la présidente, ose à la présidente Lukuta ou Yasolo, je m'en fous. Je regrette que tu puisses décevoir, que tu sois ose à la moine à l'ibungi. Oyo kouya kote kamboka ya Kasavubu, ya Lumumba, ya Kimba, ya Tchombe, ya Mobutu, ya Laurent Désiré Kabila, oya Elebs Barwande. J'ai beaucoup de la peine pour toi. Et aujourd'hui, les Congolais, s'il vous plaît, ba maman, ba tata, bola moka. C'est fini, la diaspora. Ba éloge, y a ba politicien, ou y a ba traître. Pour ceux qui peuvent nous aider, les politiciens qui peuvent nous aider, ba to baza ba moyen à Congo, biska bozali, na mokil mobimba. To sengi na bino, bozali na président de la diaspora, moko. Nous devons mettre une plateforme en place. La Senga qui m'écoute, les qui n'a pas de co, tout solo là bien, ou tout solo là qui déjà, tout ça n'a pas de awa, tout solo là déjà. Tout ce qu'on a plateforme autour, il y a mout, ou Azali, président de la diaspora. Une question d'organisation pour la légalité, la sérieux, il y a Maram Torosa là. Mais la question, il y a sous la barre, pas maté, que un gars, il y a la chef, non. Nous allons nous mettre tout autour de cette personne pour que nous puissions avancer ensemble. Et j'appelle tous les Congolais
qui aime le Congo, de tourner le dos à Félix Tshisekedi Tshilombo. Bino baluba so boye et tout royo. Je vous dis sincèrement, baluba bien, dose la bino mais oyo bino bo sala ba buzo bana bino wana na balaba na basa banzete. Boya, dose la bino. Moi je vous dis sincèrement, j'ai peur de personne, je vous respecte mais j'ai pas peur de vous. Merci bino boye. Dose la confirmation et si là guerre zo bana bino. Félix, tu as fait le deal avec Kabila. Prépare-toi. Parce que moi, François Mbougou, je te dis sincèrement, je suis déçu de toi. Tu as baissé ta culotte pour que Kabila te baise. Voilà les termes que je dois te dire, les termes durs qui vont te choquer, qui vont te toucher. Parce que tu as trahi la population, tu as trahi la nation congolaise. Tu es qu'un traître. Et tu connais le sort des traîtres. Je n'ai pas peur de vous. Faites ce que vous voulez. Je ne serai pas le premier. Moi, je le sens. Un Congo qui ne trahit jamais sa patrie. Je ne suis pas un traître qui va laisser tuer mon peuple. Et moi, je suis là en train de m'exhiber, d'être content, de me jouir, de jouissance, la jouissance, la politique de la jouissance. Tu as trahi. Et les traîtres, nous connaissons leur sort. Je félicite Henri Maggi pour tout ce qu'il est en train de dire. Henri Maggi, aidez-nous. Tu es qu'un Congolais. Un jour, je pense que le trophée va revenir vers vous aussi. Parce que vous êtes un Congolais qui essaie de dire la vérité de tous ces menteurs-là, qui manipulent les gens. Vous croyez quoi? Vous croyez que nous ne savons pas ce que vous faites? Aujourd'hui, je vous dis, démentez ce que je suis en train de vous dire. Il y a plus de 20 personnes, Bobomi. Vous avez tué plus de 20 personnes, là, des adeptes de Mondansem. Et vous dites que s'il n'y a que 8 personnes. Et je demande la démission du général Kasongo. Au plus vite. Au plus vite. Je demande la démission de Kasongo. Au plus vite. Arrêtez de jouer avec nous. Nous tous, nous nous sommes des sacrés. Nous sommes dans la lignée de la continuité. Tous va très traité. La lignée du juste pour le Congo, c'est nous, pas vous. Tu croyais quoi? Au long à Kabila, na Buzoba, au Yibi, l'élection à Kamere, Kamere, le Wazan a présenté. Dimi, c'est total, là, yot. Na Buzoba, na Buzoba, là. Vous croyez quoi? Vous allons continuer à vous laisser comme ça, vous? Nous allons pas vous laisser. Nga, la, mta, la, nga, kona, mon, an, zambi. Bosa, nga, rien. Nambo, konga, la, vandia, bosa, nga, rien. Boa, koututi. Et là, je vous dis clairement ce que je pense maintenant. Félix, tu protèges Kabila. Nous devons d'abord te chasser, toi, Félix, pour que nous soyons face à face, nous, les Congolais, avec le Tutsi Power qui détruit notre pays depuis 20 ans. Nous n'avons pas peur de vous, hein, rien du tout. On avait pensé peut-être dire que bon, toi, Edendeko, toi, ça la bouille, mais tout le monde dit yo, vous êtes dangereux même. Comment vous êtes président pour vous battre dans le bocal pour lever le roté? Comment vous êtes président chaque fois que nous revenons à Kabila pour nous tourner conseil? Vous allez premier ministre à Kabila, vous êtes président Kabila, vous êtes président congolais. Et nous allons te mener la vie dure. Nga François Mbouguna, je te dis ça. Je vais t'amener la vie dure. T'as la bino au boya, ah, la mire, nanga, n'a pas ben à bino. N'est-ce qu'on a oh, bino, bino, bah, zo, bah, oh, vous avez maillé l'été, n'a mis tout, n'a bino, vous allez le roté. Oh, vous défendez la gare, l'indéfendable, n'a pas si bino boye. On ne joue pas avec la terre. Rana kena Israël a comprenant. Ba bundela mabela mukie ba partir bundabala mukie ponani. Mais bino bozana ngwe belé. Na singi ba media ni so edinga Congo. Bon relayer message aussi s'il vous plaît. Na singi bino pardon. Ba message ba media ni so edinga Congo. Bon relayer message oui. Je vous le dis au plus profond de mes tripes. Pour le Congo, je ne lâcherai rien. Et Félix, tu nous trouveras sur ton chemin. Je n'ai jamais fait de telles déclarations. J'avais de la partie pour toi, mais j'ai compris que yo zali tinate. Et Kabila, zo sa grand esprit na yo. Kabila go lia yo. Ba rwande ba go lia yo. Bizo to go seka yo. Na ba lubo ba yo koumisa ba ninde ko ba fanatique. Na lukuta ou ba ou fingi sa ba luba. Yino mo kasi ba luba tu mabe. Baluba zo regrette, baluba zo ka soni na mozo sala. Yo tata mobimbo zanga mayele.
Comment vous avez mis la Kabila boy? Et puis vous avez tapé dans la loi, moi si, c'est ce qu'on va vendre, mais c'est quoi ça ce truc? Qu'est-ce que tu crois? On dit au colon dans la papa tient une sérénité, on dit au colon dans la pauvreté, on dit au découvrir richesse. C'est quoi ça, cette façon de faire? Voilà. Pour me recommander, c'est un mot qui est tranquille. Pour comprendre, il a souffert trop. Pour foutre, il a tout bon, il a foutu un bon été. Il a réclamé, c'est dû. Comme nous avons monté le pays, nous avons deux régions. Et là, je m'adresse aussi à l'autorité à Bakongo, à tous ceux qui sont là. Mais franchement, vous devez avoir honte de vous, de faire ce que vous êtes en train de faire. On est en train d'assassiner les gens et je dois, nous devons avoir les informations, savoir ce que vous avez fait comme démarche, de pouvoir quand même voir ce qui est des droits. Avocat à Congo, Bozapi, Boutelema, s'il vous plaît. Bana Congo, place Bozali, n'a pas domaine ni ostou, n'a sengibino, pardon, s'il vous plaît, Boutelema. Je demande particulièrement à Bolimbisanga, Nazali tribaliste été. Mais je demande au bas Congo, benou la mouka, parce que ma mouka n'a pas changé, bête fête benga n'a pas tuyai. Le Congo, c'est notre pays, et nous devons défendre notre pays. On a de la fierté quand on défend son pays. Le général de Gaulle en France, c'est organisé pour défendre son pays. Je ne suis pas le général de Gaulle. Mais c'est juste un des modèles au Togui Kolanda. Je vous demande, s'il vous plaît, ma média, pardon à Singibino, Bolongana va parti pris. Ma politicien, ma peuple, nous sommes prêts de nous sommes prêts à s'organiser. Tout ça déjà prêt. Bosunga Bisso, Congolais Biscan Sozali, Bocha. 1 dollar à 5 dollars à 10 dollars ou à 20 ou à plus. Ninga ba Rwanda na ba sala ka ba sanga ka mbongo po ba ko sa biso mamba sa biso. Nous allons le faire en pire. Tout ça en pire. Donc bien tout ça là on peut se belé. Bota la peuple ninga se souffrir. Bota la ninga humiliation ils en mboka na. Bota la ninga ba nyokoli peuple ninga ba sala peuple wana franchement bandeko. Je vous demande s'il vous plaît. Tala. Tout ça, c'est une formation belle. Je suis allé à Félix, je suis allé à la tout ça, c'est formation nion. Je vais regretter même. Félix, tu as fait un mauvais choix. Attends, je vais que ça, la plan B, ça, c'est le Kabila, c'est Kabila, c'est Lia. Pour que ça, c'est une formation nion. Merci d'aider ma bien là. Il faut que tu bonnes ça. Tu oublies la banane à boire là, que je ne peux pas changer. Je suis allé à la maison, je confirmé si tu es organisé. Je vais inviter tout bolimbisanga na tribal te pour balou ba salango. Tous les Congolais na tous les Bakongo. O bakoza na biso baoya to s'organiser to sa la réunion mon nene na Paris. Pour mettre les choses en place. Je demande à tous les Bakongo et tous les Congolais, tous les Bangala, tous les Baswahili, tous les Batabandundu, tous les Congolais to sa la réunion à Paris. Et nous allons nous organiser après confinement. Offre nous l'accent que nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des femmes. Ils ne peuvent pas continuer à se moquer des gens comme ça. Non, trop c'est trop. Naboy Koloba Mingi, tu retiens la bino microsia ba compte. Merci Ndeko Dédé. Nous allons nous appeler après la vidéo. Merci mon grand, mon vieux. Viens dans la 4, il y a Suisse, oui, Bikara. Trop, c'est trop. On ne peut pas jouer, on ne peut pas continuer à se moquer des gens comme ça. On ne peut pas assassiner des gens librement comme ça. Yo, président, on soit disons dans le pouvoir, aucune recette à elle, ce commandement par Kabila. Tu ne vas pas continuer Kabila, ben Kabila, que non. T'as là, bisous, t'as bien volé, t'as là. Vous avez bien le pouvoir, t'es. Arrêtez de nous mentir ou de demander. Bon, mais beaucoup, ça va être bien, beaucoup, ça va. Beaucoup ça va être beaucoup ça. Nous, vous n'allez pas nous mentir. Il y a des bisous, le lobo des mentis, on a le bas. Il y a plus de 20 personnes, plus de vingtaine de morts que vous avez assassinés, les adeptes de Bounoula Congo. Ce sont des Congolais. Ils avaient les mains libres. Ils n'avaient pas les armes sur eux. Vous n'allez pas tirer sur des gens qui n'ont pas d'armes, quand même. Vous n'allez pas tuer les gens qui n'ont pas d'armes. Voilà. Donc, Nasuki Awa.
En tout cas, je suis déçu. Clairement, je n'ai rien à foutre de votre pouvoir de merde. Pouvoir Nabineza, pouvoir Dia, pouvoir Lukuta, pouvoir Mouyibi, pouvoir nommer, au commis président Moroboye, aux étiquettes dans le monde de personnes. Ah, en France, tu vas respecter la royauté. Je te dis sincèrement, on ne te respecte pas ici en France. Non. Yo, mon avis français, ma prochaine. Ato lobby que on a embêtagé. Pesak, l'ingozon, ça ne pouvait pas Kabila. Kabila, au long de l'autre. Tala, ma camoiseau là, oh, le qui se tue à Camille, il va brûler là, n'a pas brûlé l'état. Kabila, nettoyons-nous cette merde. À nous revoir. Que Dieu vous bénisse. Les Congolais, nous ne sommes pas en train de jouer. Trop, c'est trop. Tolembi, Batu, Oyo, faut que tu bénisses Bango. Et moi, François Mboko, votre frère, je suis un dévoué de la République. Je suis un dévoué de la République. Pour Nambo Kananga, dans le Tikata, dans le Kenabinoué, dans le Bélé, Bobo mis 20 personnes, le Boko, ça 8 personnes. C'est quoi ça? Bon, au fin, à soumène. Vous allez ramener, Nayo Eliezer, Nanabo, ça n'a pas de succès. Eliezer, tu m'as déçu. Comment, yo, soi-disant député, au recours que nous coïncidons, moi, si, y a un mandat. C'est mis. Comment tu peux faire ça, un député, soi-disant, qui doit être là pour le peuple, aux autres, que ça, Makamo, ils ont attiré, Tala, bon, mon ibino. Oh, bon, mon ami, les 28, ils ont mouqué. Bon, yassous. Bon, yassous. Venez encore en Europe. Venez faire vos conneries ici. Tous et l'abino. Bon, ya. Tout royo. Na sengi na pate chibango. Merci na vidéo na wana landaki. Et j'ai compris. Odombo. Tous les combattants, boketu, tout le monde, tout la mouka, tout tel mande, tout tel mande, pitu, chomong, babola, tout le monde. Na ba o ba mona na rate ba combattre mon lit tout moi o bo bon o ba na o bino bo mona rate to e bino bo bima siko. Après confinement, nous allons organiser une réunion. Il y a mon nene na Paris. Nous allons inviter des grandes personnalités baroya, ba congolais à solo. Pour la monique que non, c'est trop. On ne peut plus continuer comme ça et nous savons où toucher. Si vous continuez, vous pouvez vous dire que vous avez un bon lobby. Si vous avez une mission, vous avez compris, Félix, pour que vous avez tout le pouvoir, vous avez un bon lobby. C'est le moment maintenant de te prononcer, tant qu'un président soi-disant. Mais tu m'as tellement déçu que, dans mon yibi, dans ma camoufle, ça m'a bé, au sala, mais trop, c'est trop, où est, mais c'est la honte, papa, tu sais, tu seras besoin de tomber dans la mouka, mais c'est la honte. L'humiliation, il y a Balouba. Balouba, Rosalara, n'a pas si toute leur vie dans Mambo Sali. Pour la bande de Konayo. Parce que ma Congolais, basé dans Kanda, Rosalara, au Bosali. Au Tchava, vie à Balouba, nous, n'a pas si tel Konayo. Non. Il y a des Balouba bien, au Bisoto, il y a des gens bien, bah Mamba, bah Daniel. Des gens bien, des gens honnêtes, des gens sérieux. Non, bah, au Balanda, qui est au Yébi, la diaspora. Tu es bien, mais basa bien, basa qui bérer, mais tu récupères, bah, on tout. Parce que Baza déjà déçu, toujours quand on a maintenu nos coma, on a mangé au sali, on a bu zobo au sali. Tu n'iras pas loin, Félix. Très très triste, mais on a pris Nango. Na suki wana. Bizimu mon a Rwanda à Sukabi. Na sengi ba media, s'il vous plaît, pour propager vidéo oyo. Je n'ai plus besoin de parler. J'ai juste besoin de dire les choses vraies et sincères. Sans parti pris, sans sentiment, il y a vous à la lèche botte. On a servi ma vidéo dernière pour tout le cas sur cette vidéo, mais j'ai compris que ça sert à rien du tout. Pour Yoko, au gomme pire kabiliste, écoute, que les carrément au Kabila. Et comme on a ça la bouclier à Kabila, bisous au benganana nous yo. Et nous allons tout mettre en place pour tout benganayo. Bisous au monde entier, le bas, mais ils en ont servi bien longtemps. Moi, je n'ai rien à foutre. Non, on a bien un pan pan pour zo babo pour sali. Il y a quoi yiba mbongo, un modèle on a un pan pour koti bo yibi kout kolika wata kabi la na soni kout. Et je remercie Henri Magie pour l'information où il y a source aux opé sabiso. Bah, ça l'a rien. Pour yon de moukondi kout. Bah, on va moukondi à kabo, on va moukondi na bango. Bah, zo pouvoir yako yako bonde la yako gratte na soni. Bon, on a bon, soni ta. Ta là. Tigibino, mais Eliezer a toujours demandé pardon.
humilié ma maman ya Congo. Moi, c'est mon ancien, il peut ce qu'il est. Elle peut ce qu'il est, mais tu ne peux pas le filmer, moi, si on a, ou la qui ça y est, ou humilié, ou ben, retourner ma question. Bah, policier et belé, bah, ça d'accord, t'es. Bah, il y a ça, la déconfinement. Vérité, Zali, que, bah, policier, t'es condamné, bah, moi, à 100%, t'es. Parce que, tant que, bah, Kenda, qui pas mon antémi, bah, Kéin a prétexte, c'est le bah, Kéin, Zali, déco, Zali, confinement, bah, moi, on a droit aux 100 personnes, t'es. Effectivement, dans l'endroit, mon antémi, il y avait plus de 100 personnes. Maintenant, bah, il y a t'as 10 personnes, bah, tic à la couna, pour, bah, monsieur, bah, bima, comme ça, hors de quota. Mais en réalité, et ça, la mairie, qui est bitumba, et bimi, et puis, bah, bomi, bah, tout. Au bas, on a dit oui, c'est ça le coup. La source, on a dit que c'était un policier. Un vrai policier, au gradé à Congo. Il y a dit que plus de 20 personnes. Ils sont d'accord, tu es là. Ils ont besoin de ça. Alors, il y a le bureau président. Il y a un état de droit. Comment nous pouvons dire quoi? Au cours de ça, il y a un village, il y a un fin fond, il y a un bisotin. Tu vas mentir qui? De là, on a besoin de défendre. À part, si on a des personnes, on a des personnes, on a des personnes, on a des personnes, on a des. Qui va te défendre? Si on a caméra, il a dit qu'il est en prison. Osant devant les marteaux et l'enclume aujourd'hui. Moi, François Mbou, tu n'auras pas mon aide. Au contraire, je vais te combattre, Félix. Je vais te combattre. Yo. Comme Banderono Balobi qui est au vent de 50 ans dans le Congo, total là. Yo. Moi, je te défie, clairement. Et je pense que c'est aussi la vie de tous les Congolais. Les traîtres ont les prix, ont les mérites de leur traîtrisme. Vous ne me faites même pas peur. Dans un an, il y a le pamba. Dans ça, là, il y a le pamba. Il y a vendu le million, il y a le sang, le peuple congolais, le peuple a leur relève, la main comme il a été, à ça, là, à ce que l'armée, beaucoup, beaucoup, quand il gomme, pour la nini, le peuple a souffrir. Pouvoir, il y a un nio pour la population. C'est quoi ce pouvoir-là? Ça suffit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Congo. Je demande aux Congolais, s'il vous plaît, pensez à ta 1 euro. Tu repères Sabino compte, Mikolizoya. Bah, tout, oh, photo là, ça, bah, ok. Kagame n'a plus le pouvoir. Kagame n'a plus de pouvoir. C'est fini. Pouvoir n'est au Kende. Tu coûtes un service rwandais, nga, François, beaucoup. J'ai dit que vous avez, les Congolais ne sont pas prêts à vous pardonner. Et nous ne sommes pas des traîtres, nous sommes des vrais Congolais qui vont se battre, pas pour le pouvoir donner, le pouvoir nommer, le pouvoir sans effet. Mais nous cherchons la légitimité de notre peuple. Et nous voulons donner la valeur à notre population, le respect à notre pays. Pas d'aller comme ça. Au Bimayo, président Molinka, partout, au Benga, président Molinka, aux la légitimité dans le Banda, la légitimité dans le peuple. Sans mon bâtiment, mais quand la Kabila est totale à haute, chaque Kabila justice, soi-disant, état de droit. Bon, ça rend la banane. Vous allez vous moquer de qui? Moi, je n'ai pas peur de vous, rien du tout. T'as l'angla qu'on a bang à goutte binoté, rien. Et l'autre, on a respecté la binoté, mais t'as là. Écoute, n'est pas sali, bobo, misou, bakongo, c'est fini. J'ai la haine contre vous. Pas la joie, j'ai la haine, la colère et la haine contre vous. Le régime n'a pas pam pam, ils ont la tina. J'ai rien à foutre de vous. Des présidents nommés sans légitimité. Congolais, beaucoup de Zimbongo, s'il vous plaît. Nous allons vous donner les jours qui arrivent les comptes au Brochambongo. Bobang, il est remonté, il est en train de relier les athées. Mais cette fois-ci, montrons-nous que nous sommes des hommes et nous sommes des vrais hommes. Nous ne sommes pas des traîtres ni les petits hommes. Que Dieu vous bénisse. Et j'appelle tous les Congolais de nous aider, de venir ensemble pour tout avancer. Merci. Je vous dis bonne nuit. Que Dieu vous bénisse.